Dans le documentaire Chauve, la revanche diffusée sur France 5, l'ex-footballeur Franck Leboeuf a révélé sa souffrance à cause de sa calvitie qui l'a amené à porter une perruque lorsqu'il était jeune. Quand la calvitie devient un complexe, au même titre que le physique. Si est-il objet du documentaire Chauve, la revanche diffusée ce vendredi 17 mars à 21h sur France 5 avec la voix de Kian Kojandi. Des personnalités comme l'humoriste Fabrice Eboué, le youtubeur Cyrus North, le comédien Eric Judor ou encore le danseur François Alu ont livré de précieux témoignages sur leur perte de cheveux. Le champion du monde 1998, Franck Leboeuf était également de la partie. Ce n'était pas acceptable d'être chauve, interrogé sur sa calvitie. L'ex-footballeur a exprimé sa souffrance lors de la perte de ses cheveux qui l'a même poussé à porter une perruque au début de sa carrière de footballeur. J'avais honte de tout, de cette tête, de tout ce que je faisais, a-t-il exprimé. Gêne venait même, à un moment donné, à porter une perruque pendant 6 mois. Si est-il vraiment une horreur de porter une perruque? Les gens qui se moquent des gens qui ont une perruque n'ont pas compris la souffrance. Oui, si est-il ridicule d'avoir une perruque, surtout maintenant. Mais il y a 20, 30 ans, on n'avait pas le choix parce que, socialement, ce n'était pas acceptable d'être chauve. Franck Leboeuf s'est également penché sur le cas de l'ancien tennisman André Agassi, qui a lui-même porté une perruque au début de sa carrière, même si André a une gueule d'Angers, ce qui n'était pas mon cas, on se retrouve face à une réalité, si est-il que, le chauve, si est-il un vieux. On va vous considérer comme quelqu'un qui est en fin de carrière. Vous commencez votre carrière, et on se pose déjà la question de savoir si vous n'êtes pas à la fin. J'ai 22 ou 23 ans et j'ai l'impression d'avoir 35 ans. Durant le documentaire, Franck Leboeuf a eu la surprise de revoir un cliché de lui-même alors jeune joueur de l'équipe de France, dans les années 1990. Quand on veut se moquer de moi sur Instagram, on m'envoie cette photo, a-t-il réagi. J'ai pratiquement effacé tout ça de ma mémoire. À ce moment-là, j'ai 22 ou 23 ans et je suis chauve. J'ai l'impression d'avoir 35 ans. Je viens de démarrer ma carrière. Une carrière parfaitement accomplie malgré ce crâne rasé. À lire aussi Franck Leboeuf chauve à 21 ans, ses réflexions terribles auxquelles il a dû faire face.